Bonjour à toutes, hein. Je vous présente ce tuto, donc le tour de cou pour bébé, hein. Donc qui est très 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 facile à faire, donc c'est que du point mousse, tout simplement. On travaille tout droit, donc on ne le fait pas en circulaire, hein. C'est que avec des aiguilles droites. Donc pour cela, il nous faut des aiguilles numéro 5 et de la laine numéro 5, ce qui permet de faire un effet molletonné, hein, et qui tient très très chaud, qui va tenir très chaud le cou de bébé. Hein. Pour faire le tour de cou, hein, donc l'aiguille numéro 5, et il faut monter 59 mailles. Une fois montées les 59 mailles, on tricote le point de mousse. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc une fois qu'on a monté les 59 mailles, on tricote tout à l'endroit, donc au point de mousse, pendant 11 cm. Donc je vous ai pas montré comment monter les mailles, hein. Il y a des vidéos sur ma chaîne, hein, pour celles qui le souhaitent. Le point de mousse, hein, c'est pareil, il y a une vidéo aussi pour vous aider à apprendre le point de mousse. Donc là, il y a 59 mailles de montée sur une aiguille numéro 5. Et on tricote, hein, au point de mousse, hein, donc tout à l'endroit. On va faire ça pendant 11 cm. Et une fois qu'on aura nos 11 cm, je vous retrouve. À tout à l'heure. Une fois tricoté donc nos 11 cm, donc voilà, à peu près, hein, 11 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, on rabat toutes les mailles. Hein. Et c'est fini, il n'y aura plus qu'à coudre bord à bord en couture invisible et on aura un joli tour de cou pour bébé, pour lui tenir chaud la gorge. Donc, plus qu'à rabattre, donc on prend une maille, on passe par-dessus, tout simplement. Donc, c'est rapide. Aucune difficulté. Pour débuter, c'est très bien. En plus, c'est molletonné. Ça tient très chaud. Et puis, vous pouvez le décliner en plusieurs couleurs pour aller avec les tenues de bébé. Donc, il n'y a aucune difficulté. Moi, je trouve ça super. Donc, je vous retrouve une fois fini de rabattre toutes les mailles et surtout laisser du fil pour la couture. Parce qu'il va falloir coudre, en fait, on va réunir les deux côtés. Donc, une fois avoir tout rabattu, donc on plie face à face et on va venir faire une couture. Donc on va mettre les bords à bord et la couture, elle va se faire ici. C'est tout simple. Alors, pour essayer d'avoir une couture, on va dire invisible, là comme en plus c'est de la grosse laine, donc on voit très bien, il y a des petites boules. Donc en fait, on prend une boule ici. Et on vient chercher en face la petite boule. Et on va faire ça tout du long. Petite boule à petite boule. Et là, on aura une couture invisible. Vous voyez ce que ça donne, hein, déjà sur la première couture, hein, premier point. On voit à peine que ça a été cousu. Hein. Ça fait... comme si la continuité en fait du point mousse. Donc on va faire ça tout du long et je vous retrouve une fois avoir fini. À tout de suite. Donc voilà, une fois fini notre
tour de cou. Hein. Donc, ça fait molletonné, c'est élastique. Hein. Donc, cela convient à un bébé pour un bébé de la naissance à 3 mois. Très facile à faire. On monte les mailles, on fait du point mousse pendant 11 cm, on rabat les mailles, on met bord à bord, hop, donc ici, on met bord à bord, on fait la couture ici et c'est fini. Donc facile, rapide, simple à faire et en plus ce qui donne, on va dire, un exercice pour apprendre le point de mousse. Il n'y a aucune complication, il n'y a pas de diminution, il n'y a rien, c'est vraiment simple. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, et je vous dis bonne journée et à bientôt.